Mes salutations, bienvenue à Good Fortune Secretary Gospel. Je suis Luciane. Aujourd'hui, nous allons passer un bon moment dans la présence du Seigneur dans le cadre de la nouvelle année 2019. Le thème est dédicace à l'Éternel, le mystère de Dieu, même quand on est dans la souffrance. Je veux partager avec vous des mots d'encouragement. Avec la prière, l'exhortation, en rapport avec ce thème. On finira par des mots de proclamation et de bénédiction dans le cadre de la nouvelle année 2019. Et un nouveau chant. Le nouveau chant, je veux voir ta gloire, je veux voir le glorieux. Go! Je vais tout d'abord remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel, toi qui es le Père, le Fils et le Saint-Esprit, prends le contrôle de cet instant. Dieu, toi qui ne sommeille ni ne dors, je te dédie ce moment et que toute personne qui aura accès à ce message, que tu touches les cœurs et que les âmes soient sauvées. À toi seul la gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Par rapport au thème, j'ai cherché dans le dictionnaire de la définition des mots en rapport avec le thème dédicace à l'Éternel, le mystère de Dieu, même quand on est dans la souffrance. Alors, le dictionnaire nous dit, le mot mystère, c'est ce qui est obscur, inconnu, caché, secret. Nous avons également le mot, deuxièmement, dans les dictionnaires nous dit, dogme religieux, inaccessible à la raison, le mystère de la Trinité. Le mot mysticisme, c'est croyance selon laquelle l'homme peut, par la prière, l'extase, l'accès, communiquer directement avec Dieu. Deuxièmement, comportement dominé par des sentiments religieux et non par la raison. Le mot souffrance est défini comme malaise, peine, douleur. Frères et sœurs, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ses oracles sont éternels. Son amour dure à toujours. Tout passera sous cette terre, mais sa parole est éternelle. Jésus-Christ vit à jamais. Il est fidèle, même quand nous ne le sommes pas. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, ni ce que tu traverses en cette fin d'année 2018. Mais sache que Dieu le sait et il t'aime. Il voit tout, il connaît tout, il est partout. Même dans le secret de ton cœur, Jésus le sait, car c'est lui qui sonde les cœurs. Je me suis basée au livre de Psaume 129 de la Bible, bien sûr. Amen, amen. Voici donc les mots d'encouragement. D'après le Psaume 129 de confiance qui parle de la protection divine de Dieu et de sa délivrance auprès du peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient en prison en Égypte. Ce psaume de confiance retrace la souffrance, la peine, la douleur du peuple d'Israël lors de leur captivité. Il décrit leur affliction, comme on le voit dans le psaume, dans le verset plutôt 3. Ce verset dit, « On a labouré mon dos, on y a tracé de profonds sillons, ils étaient opprimés. » Labouré et flotté au dos par des surveillants égyptiens. Ces esclaves qui étaient sous un joug étranger, Dieu est venu à leur secours pour les délivrer de ses ennemis. À chaque étape de la vie du peuple d'Israël, lorsque ses enfants crient à lui, Dieu dans son amour suscite un homme pour intervenir dans la situation dans laquelle se trouvent ses enfants. Alors Moïse a été appelé par Dieu en faveur du peuple d'Israël. Et,
et ils sont arrivés sur la terre promise, même si lui-même Moïse n'a même pas pu voir Canaan, mais le contemplant de loin par la foi, ordre venant de l'Éternel. Ce sont les mystères de Dieu. Même l'apôtre Paul enseignait une sagesse qui vient de l'Esprit, c'est-à-dire une sagesse venant de Dieu, lui seul. Que ceux qui ont reçu son esprit peuvent comprendre le mystère de Dieu, de ce qui est caché au monde, c'est-à-dire secrète. Nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 11. Je continue. Jésus-Christ est la racine principale des hommes. Il est la pierre angulaire. Dans ce temps de grâce, Jésus-Christ de Nazareth a déchiré le voile. C'est-à-dire, il n'y a personne, ni aucun esprit au nom de Jésus-Christ, peut t'empêcher de t'adresser à Dieu partout où tu es. Sache que Dieu est partout. Mais il y a des choses qui peuvent empêcher que Dieu agisse dans ta vie, comme le péché. Car Dieu est le péché, parce que Dieu est saint. Mais Dieu nous aime. Il nous a aimés le premier, dès le commencement de ce monde. Aussi dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2, la parole déclare ceci. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Zéro. Nous avons besoin de la présence de Dieu dans nos vies. Car c'est un Dieu d'amour. Il est amour, le véritable amour. Un Dieu plein de vérité. Que Dieu nous aide à être enracinés en lui, afin de porter du bon fruit et être de bénédiction des uns des autres, en Christ. Gardons nos yeux fixés vers Dieu. Louons-le, par exemple, exaltons-le, adorons-le, car lui seul en est digne. Merci pour ce partage, Seigneur. Merci pour ce temps de grâce. Que ta protection divine accompagne tes enfants. Que ton amour soit manifesté dans la vie de tes enfants. Amen, amen. Que Dieu vous accompagne pour l'année 2019 et durant toute votre vie, soyez bénis. Amen, amen. Bonne année 2019! Thanks, thanks, thanks. Alors, je vais interpréter donc la nouvelle chanson, hein, comme promis. Go, 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 go. I want to see the glory. You are my glory. You are my Father. You are my King. You are my Shield. I give you my heart. I need you. You love me first. I dedicate you this song on this day, on this day. The good shepherd for excellence, it's you. Receive your glory. The good shepherd for excellence, it's you. Receive the glory. So I say, I want to see the glorious. My God is glorious.
ma guérison victorieuse. Oh God, I want to shine in your presence. So I sing, I want to sing glorious, ma guérison glorieuse. Ma guérison victorieuse. Oh God, I want to shine in your presence. You break my chains. How did you? I'm looking for you. You will hold the victory. You are victorious. You at my heart, Jesus. Oh, you I am. You are the beginning of a thing. You are the beginning of a thing. You are the beginning of a thing. Hey. Of everything, the good shepherd for excellence, it's you. Receive the glory. The good shepherd for excellence, it's you. Receive the glory. Keep me alone, I need you. You break the chains of fear. I dedicate this song. You move us in love. Receive the glory. Keep me alone. I need you. You break the chains of fear. I dedicate this song. You move us in love. Receive the glory. So I say, I want to see the glory of us. My God is glorious. My God is victorious. Oh God, I want to shine in your presence. So I say, I want to see the glory. Thanks for l'année 2019. Thanks.